Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment j'ai fait pour gagner plus de 50 abonnés en moins d'une semaine sur une chaîne YouTube. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire à la fin la meilleure solution pour gagner des abonnés et donc l'application. Donc voilà, bonjour à tous, c'est Golden Blue et aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment j'ai fait pour gagner 55 abonnés sur ma chaîne de musique. Et là, depuis quelques jours, je fais que de gagner des abonnés. C'est vraiment une superbe technique. Avant de vous donner le nom de l'application, je vais aussi vous donner quelques astuces pour votre chaîne YouTube, pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de watch time. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît et à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. La première technique, je pense que c'est une technique que beaucoup d'entre vous connaîtront. Peut-être qu'il y a des gens qui ne la connaîtront pas, on ne sait jamais. Donc la première technique, c'est comme ce que je viens de faire, c'est inciter les gens, c'est l'appel à l'action. Vous allez devoir appeler les gens à vous abonner à votre chaîne tout simplement. Parce que si vous leur dites rien tous les jours de la vidéo, ils vont regarder la vidéo, ils vont partir quoi. Faut que tu les incites à liker, à s'abonner, tu vois. C'est la première astuce, je pense que tout le monde la connaissait. Ensuite, une deuxième astuce assez simple que je trouve bien, c'est tu dois partager en masse avec tes amis parce que c'est eux qui, au début de ta chaîne YouTube, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, vont pouvoir t'aider à avoir plus de vues, plus d'abonnés. Et ça, ça va t'aider parce que souvent tes amis, ils veulent te soutenir dans ce que tu fais, etc. Donc il faut vraiment partager en masse votre chaîne YouTube et leur dire de repartager après que toi tu aies partagé à eux. Donc en fait, ce serait un cercle vicieux de partage et ça, ça pourrait vraiment t'aider. Donc voilà aussi un petit truc pour vos vidéos YouTube. Si vous voulez faire des vidéos YouTube, il faut vraiment que vous soyez à fond parce que si vous faites des vidéos YouTube et que vous faites rien en fait, vous mettez juste une partie de votre gameplay qui est pas intéressante où vous parlez, ça va pas forcément aller. Il faut quand même que vous faire du montage, faire des trucs comme ça. Même sans matériel, tu peux vraiment percer sur YouTube. Ensuite, une petite technique qui vous sera pas forcément utile pour des gens qui vont vraiment regarder vos vidéos, mais qui vont servir à avoir des abonnés. C'est une technique que je pense beaucoup de gens ont fait. Moi, je l'ai fait il y a un petit moment, mais j'ai supprimé tout ça. En fait, c'est mettre des commentaires dans des vidéos, tout simplement, et dire « bah tu écris dans le commentaire et je rends ». Ça, c'est bien parce que ça va te faire gagner des abonnés. Ça, c'est sûr, les gens, ils vont te rendre, ça va te faire gagner des abonnés. Mais ce sera pas des abonnés à toi, tu vois. Ce sera des abonnés que, en fait, ça sera un petit peu gratté, quoi. C'est du sub for sub. Et c'est pas vraiment tes abonnés. Donc, c'est un petit peu dommage. Même très dommage. Parce que tes abonnés ne vont pas regarder tes vidéos, ne vont pas les liker. Donc, tu auras l'impression que tu fais du travail pour rien. Entrons dans le vif du sujet. Allons regarder l'application. Donc, voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui connaissaient déjà cette technique d'astuce avec Facebook. Moi, je vais vous en expliquer un peu plus pourquoi je trouve que cette technique est bien. Parce que suivant le contenu que vous faisiez, vous pouvez le partager dans des groupes de YouTube tout simplement. Des groupes YouTube pour faire votre pub. Par exemple, regardez, là, j'ai quelques groupes. Et dans ces groupes, vous pouvez partager, il y a beaucoup de monde. Par exemple, imaginons qu'on est dans 8 pubs like YouTube chat M. On est 17,4 000 membres. Et c'est tous des membres actifs. Et vous pouvez faire vos pubs. Donc par exemple, imaginez, vous venez de sortir une vidéo que vous avez vraiment méga taffé. Genre, vous pouvez mettre un petit extrait de la vidéo là, vous postez sur le groupe Facebook. Et après, il y a beaucoup de gens qui vont le voir, je vous dis. Hein. Peut-être si ça les intéresse, tu vois, si tu fais une vidéo intéressante. Intéressante, c'est pas si tu vas faire une vidéo Rocket League qui s'appelle Rocket League et les gens ils vont pas aller le voir forcément. Parce que ça, il y a quasiment que ça sur ce groupe. Donc voilà, faut que tu essayes de faire des vidéos intéressantes que tu partages là-dessus. Après, tu peux aussi faire du sub for sub, voilà. Ça, c'est tout le temps quelque chose que tu peux faire. Par exemple, tu peux aller sur quelqu'un qui a posté une publication et tu vas en DM avec lui sur Messenger. Et voilà. Donc voilà, en vrai, c'est assez simple comme technique. Et vous pouvez vous rejoindre plein de groupes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, grâce à cette technique, en fait, c'est pas vraiment moi qui ai trouvé cette technique. Je vais tout vous dire, c'est ma mère qui l'a trouvée parce que j'ai créé cette chaîne de musique. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, j'avais 4 abonnés. Et elle est vraiment fan de la musique. Du coup, elle est rentrée dans tous ces groupes Facebook. Du coup, moi, je me suis créé un compte Facebook parce que franchement, je suis pas Facebook. Hein. Et tout d'un coup, j'ai eu 14 abonnés en un jour. Comme vous pouvez le voir dans les analytics, j'étais un petit peu choquée. Je me suis dit, mais je pensais pas que ça pouvait marcher. Et ça marche vraiment, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'ai sorti qu'une seule vidéo. Cette vidéo a 311 vues avec un watch time de 0,54. Donc en vrai, c'est franchement pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo où je vous apprends tout simplement cette application vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. De toute façon, si vous êtes là, c'est que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Et sur ce, ciao tout le monde. We'll be right back.